Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, mercredi 5 décembre. Voici les titres. Les fêtes de fin d'année, les facteurs, pompiers et éboueurs font le tour du voisinage et proposent leur traditionnel calendrier dans lequel ils se mettent de plus en plus souvent en scène. De quoi amuser les habitants. C'est une tradition à l'approche des fêtes de fin d'année. Les pompiers, éboueurs et facteurs font le tour de leur secteur pour solliciter des étrennes, en échange souvent d'un calendrier. Or, dans certaines régions, les chatons et paysages apaisants font place à des mises en scène moins classiques. Xavier Gégère, Nathalie Lambert et Ingrid Carré. Né de son corps aussi, pour un corps de métier. À Royan, les pompiers étaient chauds pour un nouveau projet, un calendrier en trompe-l'œil. Donc on a tous ces détails en fait derrière lui à reproduire sur son corps. Vanessa Nicole est artiste peintre spécialisée dans le body painting. Tout un art et beaucoup de patience pour le modèle. Habitué à être dans le feu de l'action, il a fallu rester de glace pendant 3 à 5 heures pour se fondre dans le décor. Il y a même certaines photos où beaucoup de personnes cherchent le pompier qui est sur la photo et qui s'amusent justement à essayer de le trouver. Mais c'est bel et bien en chair et en os que les pompiers vont distribuer leurs 11 000 exemplaires des calendriers qui feront date.